Yo les amis, c'est Crypto, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment particulière. Puisque aujourd'hui les gars, comme d'habitude, je vais vous présenter donc un mode sur GTA V. Donc je voulais de base vous présenter donc le mode, comme vous pouvez le voir maintenant, avec cette Mercedes. Mais le problème c'est que j'ai un petit problème avec le mode. Maintenant il marche à nouveau, mais bon, j'ai découvert une voiture encore meilleure. Donc là tout simplement, ce mode je vous le présenterai par la suite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez en tout cas, dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous voulez voir cette voiture ou pas dans une prochaine vidéo de mode. Donc on va tout de suite commencer les gars. Le mode tout simplement, ça, je l'ai mis à la place donc de la Zentorno. Donc je vais tout de suite faire spawn une Zentorno. Désolé pour ma voix aussi, c'est parce que je viens de me lever, c'est pour ça. Véhicule option, spawner, super. Désolé aussi pour les bruits de clavier, mon clavier est vraiment proche de mon micro, donc c'est pour ça. Allez, Zentorno. Et là, les gars, qu'est-ce que vous voyez ici? Attendez, je vais pas vous montrer l'avant, parce que l'avant c'est pour moi le top. Attendez, je vais avancer. Je vais sortir de la voiture. Et on va tout simplement faire le tour donc de ce véhicule. Je vais mettre en vue première personne, attendez. Si je me rappelle comment faire. Non, je me rappelle même pas comment faire. Ah si, c'est bon. Parce que là, je joue avec le clavier sourd, alors que normalement, je joue avec manette, c'est pour ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une Lamborghini. Ici, vous pouvez le voir ici. Lamborghini, donc une petite Lamborghini. Peau d'échappement vraiment sympa. Et on va voir l'avant les gars, vous allez la reconnaître je pense grâce à l'avant. Donc à l'avant on peut voir que c'est une Lamborghini Veneno. Donc vraiment une Lamborghini agressive. Comme j'aime bien en fait, comme j'aime bien les voitures comme ça. Donc elle a le truc de la Zentorno il me semble ici. Donc voilà, elle a écrit Veneno. Très belle voiture, franchement pour moi c'est la meilleure voiture que j'ai testée pour le moment. Je pense qu'en fait que GTA 5, ils ont essayé de refaire la Zentorno par rapport à la Veneno. Mais qu'ils avaient des copyrights, donc ils ont pas pu tout bien faire au même truc. Parce que là on peut voir qu'il y a ici, là je sais pas si vous voyez où je pointe, on peut voir que c'est le même truc que la Zentorno. Ici on peut voir aussi que c'est le même truc que la Zentorno à la fin, dès qu'on peut l'améliorer au max. Et franchement c'est une très très belle voiture. Donc là on va faire un petit peu le contour. Donc là ici on voit le signe Lamborghini. Agressive la voiture, franchement les phares ils sont violents avec des LED et tout. On dirait limite une tête de requin, un truc comme ça. C'est vraiment trop belle. Cette voiture est trop belle. Franchement, trop belle. Les roues avec le contour en rouge. Et il y a le logo Lamborghini, je crois, ici. Là, il y a écrit Lamborghini. Il y a les disques, les plaquettes de frein en rouge. Ici, il y a écrit quoi? 5C, je connais pas. Et derrière, le logo Lamborghini. Avec franchement, les pots d'échappement sont vraiment violents. Ici, 4 pots d'échappement. Ça vaut du sale. Le comportement de la Zentorno n'a pas été changé, donc c'est la Zentorno, c'est juste le skin qui change. Et la Zentorno, donc elle ira autant vite que la Zentorno et elle aura le même comportement sur la route en tout cas. Donc on va tout de suite rentrer dans la voiture pour vous montrer l'intérieur. C'est parti. Je l'ai pas vu l'intérieur moi aussi non plus, donc on va le découvrir. Donc très bel intérieur pour le moment les gars. Waouh, franchement ça vaut du lourd. Le petit truc Lamborghini, le volant qui tourne bien, les mecs sont bien sur le volant. Là il y a écrit Lamborghini, la radio. Derrière sur les sièges Lamborghini. Franchement si GTA ferait des trucs comme ça, ça serait cool. Pour GTA 6 peut-être. Donc là maintenant on va voir si le compteur marche. Donc en bas vous voyez le 0 en bas à gauche. On va voir, attendez. Attends, je vais juste faire un petit truc. Comme ça on pourra bien voir si le compteur est vraiment... Et vraiment bien mis par rapport au... Tout simplement au... Voilà. Nickel. Donc là maintenant on peut bien voir si le compteur est bien mis par rapport. Parce que moi j'ai mis le compteur du mode menu à droite. Et là il y a le 0 à gauche, donc on va voir. Ah ouais, je sais pourquoi les gars. Eux c'est en kilomètre heure et moi c'est en... kilomètre MPH ou je sais pas quoi. En gros c'est... C'est parce que voilà. C'est pas... C'est une autre donnée en fait. Mais sinon le compteur marche bien en tout cas. Franchement c'est hyper bien fait hein. Hyper bien fait les gars. Franchement je suis très content de ce mode. Pour moi c'est le meilleur mode qu'il y a sur GTA. Je vais tout de suite changer la vue. Regardez moi cette voiture les gars. Ce bolide. C'est pas abusé? Trop beau. Oh là là, c'est un monstre les gars. C'est un monstre. Franchement, meilleure voiture que j'ai testée sur GTA pour le moment je pense. L'accélère nickel. Franchement, trop belle. On va encore faire un petit tour des horizons. Un petit dernier petit tour.
Je vais mettre à la vue première personne comme d'hab. C'est parti. Donc désolé les gars, je viens de me lever, c'est pour ça que je suis pas trop en forme pour commenter cette vidéo. Mais cet après-midi, je pense que ce sera plus dynamique pour commenter une autre vidéo que j'avais fait. Donc là, on peut voir vraiment que c'est... Attendez, je sais pas si... Avant, j'arrivais à viser, maintenant j'arrive plus, je sais pas pourquoi. Donc là, on peut voir... tout est vraiment trop bien fait, en fait. Les modeurs, ils ont tout bien fait. Franchement, gros GG à eux. Ils ont tout bien réussi. Les rétroviseurs, je pense qu'ils marchent pas. Mais dans certaines voitures, les gars, ça marche, donc je sais pas. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez la Mercedes que je vous ai montré. Oh, Veneno, c'est écrit, c'est grave à l'intérieur. Ou si vous voulez tout simplement une autre voiture que, qui vous plaît. Par exemple, la Lican. Eh, j'ai tiré dessus. La Lican qui est vraiment bien. Attendez, ah ouais, voilà, je voulais juste tester un petit truc aussi. On va changer de vue. Et j'ai testé un petit truc avec le mode menu. F8. Attendez, voilà, F8 il est là. Donc je vais tester juste un petit truc. Rainbow mode. Le mode rainbow mode, je pense qu'il est, il est assez mal fait sur ce mode menu, puisqu'il fait, il fait que des couleurs assez sombres. C'est pas grave. Donc je vais aller dans c'est quoi déjà? Je crois que c'est menu custom. Paint. Primary. Et on va la mettre en quoi les gars? Je pense qu'on va la mettre en... Désolé pour... On va la mettre en mat. Oh là là, noir mat, comme elle rend bien. Je pense que je vais la laisser noir mat avec un petit peu de rouge. Ouais, nickel, comme elle rend trop bien. Secondary, je pense que c'est rouge aussi. Orange, c'est... Ah ouais, orange, elle rend bien. Hein. Et peut-être dark red. Ouais, ça change rien. Ouais, je la laisse orange. Oh là là, comment ça rend bien les gars. Attendez, peut-être que je vais faire le truc Ah ok, mais en fait c'est pas ça. En fait on peut pas changer la couleur secondaire. Regardez la meuf, elle prend la voiture en photo. Vas-y, prends en photo. Mais même là, elle a dit ouais, la voiture est trop belle, faut que je la prenne et tout. Les rouges, je les change pas. Et voilà les gars. Donc c'est déjà la fin. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas moi, je pense que la voiture était nickel. C'est la meilleure voiture que j'ai pu rencontrer sur GTA pour le moment. Donc vraiment trop belle cette voiture. Et voilà, donc je vous dis ciao tout le monde les gars, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.